Wesh les gens, j'espère que ça va, moi en tout cas ça va super. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui les potes, on est en terrain de jeu, c'est pour vous montrer une nouvelle technique qui vient d'être découverte il y a de cela à peu près quelques heures. Alors moi c'est un mec du Discord des Edwins qui me l'a fait découvrir, d'ailleurs il est en description si vous voulez le rejoindre. Mais c'est pas lui voilà qui a découvert la technique, c'est du côté américain, il y a eu je pense un joueur quelconque qui a découvert la technique, malheureusement je connais pas son pseudo. Du coup si vous connaissez le nom de la personne qui a découvert la technique, bah n'hésitez pas à me la mettre en commentaire et je la mettrai en crédit simplement. Donc le but concrètement c'est quoi? C'est en fait de tirer beaucoup plus rapidement lorsque vous allez switcher sur une autre arme. Par exemple vous avez votre pompe et votre P90, de base vous allez faire ça, donc vous allez hop, tac, donc là vous avez vu c'est... ça va quoi, c'est le temps de base. Et avec la technique ça donne ça. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas je vous mettrai une petite comparaison de sans la technique et avec la technique. Donc comment faire la technique? Vous allez aller sur votre pompe, puis vous allez directement prendre le raccourci pour aller sur vos grenades. Donc utilisez pas les chiffres, hein. Utilisez pas la molette je veux dire, sinon c'est trop long. Donc hop là, vous allez sur votre pompe ou toute autre arme. Ensuite vous allez sur vos grenades et vous tirez directement avec la P90. Voilà, ça donne ça en accéléré. Par contre les mecs, va falloir s'entraîner avec hein. Moi je maîtrise même pas encore le truc parfaitement, mais c'est pété, je vais full train cette technique là. C'est vraiment pété genre. Du coup voilà, je vais essayer de vous mettre quelques exemples en build fight que j'ai fait en terrain de jeu.